réponds, Kwasi. Est-ce que tu as ramassé les échantillons d'algues? Oui, capitaine. Je serai de retour à l'octocapsule dans moins d'une... Hein? Par mes moustaches. Et moi qui me prenais pour un as du pilotage, je me tais en voyant ces petits poissons. Octonautes? Vous voyez ce que je vois? Ce sont des sardines, Kwasi. Elles voyagent toujours en groupe et forment des bancs de sardines. Mais comment font-elles pour rester si groupées? C'est grâce aux écailles de leur peau. Elles leur permettent de sentir les autres sardines qui sont tout près d'elles. Ainsi, elles restent groupées quand elles voyagent. Miaou! Un triple looping en piqué acrobatique! Je dois essayer ça. Terminé! À mon tour de vous montrer ce que je sais faire, mes petites sardines! Ah ah! Qu'est-ce que vous dites de ça? Un super looping rapide avec une boucle arrière? Pas mal! Essaye ça! Tout ce que tu veux! Un looping arrière avec un léger décrochage en piqué! Tu te débrouilles presque aussi bien qu'une sardine! Je trouve que tu te débrouilles pas mal non plus pour une petite sardine! Je m'appelle Dina! Kwasi! Peut-être à bientôt pour la revanche! J'espère! Bon, je dois rejoindre mes amis avant qu'ils... Oh oh! Tu as perdu ton groupe? Je peux t'aider à le retrouver si tu veux. Non, ça va, ils ne doivent pas être bien loin. Au revoir, Kwasi. Au revoir, Dina. Sois bien prudente. Miam, mon déjeuner est prêt. Pas si vite, vilain requin d'eau douce. Ah, il est tombé à l'eau. Merci, Kwasi. On n'est pas en sécurité ici quand on est petit et seul. C'est toujours plus sûr quand on est en groupe. C'est vrai, c'est pour ça que nous, les sardines, nous voyageons toujours en banc. Comme ça, quand un gros poisson veut nous manger, nous nous éparpillons dans toutes les directions si bien qu'il ne sait plus laquelle suivre. Très malin. Je suis peut-être tout seul, mais je serais ravie de te ramener auprès de tes amis. C'est très gentil de ta part. Regarde, voilà tes amis. Suis-moi, je connais un raccourci à travers cette vieille épave. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis accroché dans ce filet à poisson. Tu es blessé, Kwasi? Non, je me suis juste cogné. T'inquiète pas, je vais réussir à me sortir de là. Oh, coincé! Je vais essayer de mordre les cordes. Non, Dina, va vite les rejoindre, sinon tu risques encore de les perdre. Non. Tu ne m'as pas abandonné quand j'avais besoin d'aide. Je reste avec toi jusqu'à ce que tu t'en sortes. T'es une sardine courageuse, Dina, et une vraie amie. Je vais appeler l'octocapsule. Qu'est-ce qui se passe, Kwasi? Eh bien, je me suis cogné la tête, le gup est bloqué et une petite sardine est en danger parce qu'elle a perdu son groupe. À part ça, tout va très bien. Salut! Je vois que tu as besoin d'un coup de main. Cassie, déclenche l'octo-alerte. À vos ordres, capitaine. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous partons au secours d'une sardine qui s'est égarée. Il faut l'aider à retrouver son groupe. Oh, je vous expliquerai en chemin. Tweak, dans le gup D. Pesso, dans le gup E. Oui, capitaine, à vos ordres, capitaine. Cassi, ouvre l'octo-écoutille. Tout de suite, capitaine. Oui, on peut dire ça. Comment va ta tête, Kwasi? Tu as des vertiges? Tu as sommeil? Dis-moi combien j'ai de doigts. C'est une question piège. Tu n'as pas de doigts, Pesso. Bien, ça a l'air d'aller. Mais je vais quand même t'ausculter dès que tu seras sorti de là. Et c'est là que j'interviens. Merci, les amis. Oh, j'oubliais.
Octonautes, voici ma nouvelle amie Dina. Dina, les Octonautes. Bonjour Octonautes, et désolé pour le dérangement. Non, ce n'est rien. Les Octonautes sont toujours heureux de rendre service. Quasi, quelle direction a pris le banc de sardines? Ils sont partis par là, mais ils peuvent être n'importe où maintenant. Barnacle à Shellington, nous avons perdu la trace des sardines. Connais-tu un moyen qui pourrait nous aider à les retrouver? Oui, capitaine. À mon avis, on peut les trouver en essayant de capter le son de leur ro. Le son de leur ro? C'est bien ce que j'ai dit. Les sardines, comme beaucoup d'autres poissons, avalent de l'air, ce qui leur permet de nager en surface. Mais quand elles veulent nager en profondeur, elles doivent roter pour expulser l'air. Capitaine, vous pouvez repérer leur ro grâce au microphone sous-marin du GUP. Maintenant, il suffit d'écouter en silence. Je ne crois pas que ce soit un ro de sardine. Non, c'est le ronflement d'un éléphant de mer. Et ça, qu'est-ce que c'est, Shellington? Juste un crabe qui fait claquer ses pinces. Ah, des rots. Cassie, peux-tu nous dire d'où ils proviennent? Je m'en occupe, capitaine. Droit devant vous, à côté d'un récif de corail. Nous allons y jeter un coup d'œil. Barnacle terminé. Dina, nous avons retrouvé tes amis. C'est une très bonne nouvelle. Je te souhaite bonne route. Mais je ne vais pas te quitter comme ça, Quasi. Tout ira bien. Je suis avec les miens et rappelle-toi, toi aussi tu dois être avec les tiens. Rejoins-les vite. Merci, Quasi, pour tout ce que tu as fait. Pas de problème. Prends bien soin de toi. Allez, suis-moi, Dina. Les héros sont de plus en plus forts. Nous nous rapprochons d'eux. Ce sont des hippocampes. Ne me dis pas que les hippocampes rôtent aussi, Shellington. Eh bien si, comme beaucoup d'autres poissons, capitaine. Nous avons confondu l'héros des hippocampes avec l'héros des sardines. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, si on n'arrive pas à les retrouver? Capitaine, l'héros que vous entendez maintenant se situe exactement au-dessus de vous. Ça pourrait bien être notre banc de sardines. Allons voir. On doit être tout prêt, maintenant. Ce sont eux! Je peux les sentir grâce à mes écailles! J'ai failli oublier de vous dire merci. Et soyez gentils, remerciez Quasi pour moi. Pas de problème, Dina. Nous, Octonautes, sommes là pour aider les créatures sous-marines. Au revoir, Dina. Je dirai à Quasi que tu vas bien. Et voilà, Quasi. Tu es libre. Barnacle à Quasi. Dina a retrouvé ses amis. Elle te remercie pour tout. Ce sont de très bonnes nouvelles, capitaine. Tout va pour le mieux ici. Je vous retrouve à l'octocapsule. Petit déjeuner, déjeuner, dîner sont servis. Ce requin m'a l'air d'avoir une envie de sardine. Je vais la lui faire passer. Oh non! Non. Non. Hein? Elle nage dans tous les sens pour déboussoler le requin. Oh oh, d'autres requins. Ils veulent encercler le banc de sardines. Appel à tous les guppes. Sardines en danger. Miaou! Octonautes, je ne sais pas si je vais pouvoir retenir les requins longtemps tout seul. Vous n'êtes plus tout seul, capitaine. Miaou! Octonautes, faites comme les sardines. Tourbillonner, ça désorientera les requins. Par ici! Par là! Attrape-moi si tu peux! Notre repas est desservi. Hourra! Quasi, je suis contente que tu ailles bien. Moi aussi, je suis content que tu ailles bien. Cette rencontre m'a appris beaucoup de choses, tu sais, Dina. Oups, pardon.